si le Rassemblement national progresse, ce n'est pas, je crois, à cause du discours qu'il tient, c'est à cause du travail que nous avions fait depuis des années et des années, qui ont donné à ce mouvement, à ce courant, une identité extrêmement forte, qui convient aux Français et qu'il faudrait maintenant transformer en un véritable projet politique capable d'aller au pouvoir. Je ne sais pas s'il y a un problème Marine Le Pen, mais il y a un problème politique au Rassemblement National, parce qu'on a le sentiment que c'est un parti qui tient le même discours que la classe politique, en plus énergique, mais non pas un discours différent, ce qui permettrait aux Français de se retrouver pleinement dans un parti qui incarnerait l'avenir et qui incarnerait une alternative. Le Rassemblement National n'est malheureusement pas une véritable alternative. En termes électoraux, il a indéniablement progressé. Et de ce point de vue-là, je m'en réjouis. Ça prouve que les Français ont pris conscience de beaucoup de choses. Mais si le Rassemblement national progresse, ce n'est pas, je crois, à cause du discours qu'il tient, c'est à cause du travail que nous avions fait depuis des années et des années, qui ont donné à ce mouvement, à ce courant, une identité extrêmement forte, qui convient aux Français et qu'il faudrait maintenant transformer en un véritable projet politique capable d'aller au pouvoir. Je ne sais pas ce que c'est que ce séparatisme, je ne vois pas qui veut se séparer, en dehors éventuellement des musulmans qui sont de plus en plus nombreux dans certaines parties du territoire et qui pourraient être tentés de vouloir se séparer. Mais à ce moment-là, il faut appeler un chat un chat. Ce n'est pas un problème de séparatisme, c'est un problème d'islam, et pas seulement d'ailleurs d'islamisme. C'est un problème d'identité pour notre pays, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas continuer sans aborder clairement le problème de l'islam.